Alors qu'une audience aura lieu, cet après-midi devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Laetitia Hallyday aurait trouvé un terrain d'entente avec les enfants aînés du rocker disparu, à savoir David et Laura Smet. D'après une information révélée par RTL, un arrangement à l'amiable serait en passe d'être signé entre les deux clans Hallyday. Mais cet arrangement ne concernerait en rien les biens immobiliers, sur lesquels Laetitia Hallyday n'aurait aucune intention de céder. Les points de l'accord porteraient essentiellement sur le droit moral sur l'œuvre de Johnny Hallyday. Si cet accord devait finalement être signé, cela permettrait à Laura Smet, David Hallyday, ainsi qu'à Jade et Joie, d'avoir un droit de regard sur l'œuvre artistique de leur père. Fabien Lecoeuvre, journaliste spécialiste de la chanson, avait déjà exhorté la veuve du taulier d'impliquer David et Laura dans l'héritage artistique de Johnny, faute de quoi je lui prévois 30 ou 40 ans de galère, si elle entend gérer seule tout ce qui pourra se rapporter à Johnny. David a déjà fait un pas en direction de Jade et Joie, à Laetitia de faire un effort et tout rentrera dans l'ordre, avait-il indiqué. Dans Paris Match cette fois, un article qui expose les griefs de David Hallyday et Laura Smet, laisse entendre que les proches des deux aînés reprochent à leur belle-mère de ne pas avoir incité Johnny à plus d'équité envers ses quatre enfants.